L'organisation des Jeunes Dynamiques pour le Développement, OJEED, par son événement sportif et culturel de l'amitié d'Abobo Agbekwa, a organisé la grande finale du tournoi de Maracana le dimanche 16 octobre 2016 à l'EPP Bad Agbekwa. Ce tournoi a été parrainé par M. Koulibaly Moussa, opérateur économique et chef d'entreprise. Cet événement a également été marqué par la présence d'invités spéciaux tels que le ministre des Affaires étrangères, M. Albert Mabritoakus, qui absent s'est fait représenter par le député de Biankouman, M. Deli Mamadou, et le député de la commune d'Abobo, M. Kone Tefou. Nous avons également remarqué la présence des chefs religieux, chrétiens et musulmans, des chefs coutumiers d'Abobo et sans oublier les forces de l'ordre qui ont bien voulu assurer la sécurité de tous. Avant de débuter toute cérémonie comme le veut la coutume, les chefs religieux ont fait des prières et bénédictions afin que tout se déroule dans de bonnes conditions. Après la prière, chacune des personnalités a adressé un mot aux spectateurs. Merci à tous les participants à cette manifestation. Qui est en train de changer les visages avec ces jeunes d'Abobo responsables et dynamiques qui sont en train de tourner le dos à la violence. Ce sont des jeunes que nous mettons en mission régulièrement, qui à travers ce tournoi sont en train de dire aux jeunes d'Abobo qu'il faut tourner le dos à la violence. Parce que la violence nous conduit à la mort et en prison. Mais aujourd'hui, je viens, je prends mon véhicule et je me demande si la route est fermée. Alors que cette route avant, elle était praticable, bien carrossable, avec les wororo qui s'embouteillaient. Ici, il y avait une gare de wororo au bout et je ne suis plus sûr si ça existe encore. Je suis témoin. Je suis venu, j'ai entendu, j'ai pris acte, j'ai vu, je rendrai compte à qui de droit. Je rendrai compte à qui de droit. Je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas ma bouche dans ma poche. Je suis un député, je suis libre de ce que je dis, et je voudrais vous rassurer que je serai aux côtés du député Kone Tefou, l'avocat de la situation des routes ici à Abobo, mais particulièrement ici à Abobo. C'est pas normal que la route que je connaissais hier soit dans cet état. Mais je pense que si c'est à faire exprès, que je vois et j'ai vu, je rendrai compte. Je ne m'éteindrai pas là-dessus. Merci d'être venu. Merci pour la chaleur de l'accueil. Merci pour la fraternité. Abobo, c'est désormais Abobo la paix. Que ça reste toujours la paix. Merci. Pour la partie ambiance, le public a eu droit à plusieurs prestations artistiques, dont celle de Coco Hilaire, de Maître Crémo, chorégraphe Tradi Moderne, et de Sexy Boys. Cette finale a opposé deux grandes équipes. Gouvernement blindé FC et vainqueur FC. Le coup d'envoi du match a été fait par M. Deli Mamadou, député de Biankouman. Après un jeu rude entre les deux équipes, le match s'est soldé avec un score d'un but à zéro pour Gouvernement blindé FC, vainqueur de l'édition 2016. Bravo les champions! Ce grand tournoi de Maracana restera à jamais gravé dans la mémoire des jeunes d'Abobo Agbekwa grâce à la couverture médiatique de Vision Afrique. Toute la jeunesse d'Agbekwa, toute la jeunesse d'Abobo, et il y aura vraiment, je dis merci à Vision Afrique, vraiment qui est une structure de jeunes abobolais. Je leur dis merci pour montrer que Abobo, il y a des intellectuels, Abobo, il y a des grouilleurs dans le sens positif du terme. Je remercie aussi Ide Sono, Issa Diallo Sonorisation, c'est le jeune Abobolais aussi. Tout ça c'était à la caméra Abobo, à la Sono Abobo, à l'organisation Abobo pour montrer qu'Abobo, on peut s'organiser et puis s'amuser sans problème, sans embâche. Je vous remercie.
90.